Professoressa, la sua lezione porterà sulla democrazia agonistica. Come definisce in una formula la democrazia e qual è la specificità della democrazia agonistica? Bon, la democrazia, là, en fait, bon, la meilleure façon de le comprendre, c'est retourner à l'étymologie, demos kratos, le pouvoir du peuple. Bon, d'accord. Mais seulement, il y a beaucoup de questions qui se portent à quoi. Est-ce qu'il y a un peuple ou bien est-ce que le peuple est divisé? Bon, moi, je m'inscris dans la conception machiavélienne qui est que le peuple est divisé. Il y a toujours donc le conflit entre ce qu'il appelle les umori, hein, les grandi et le popolo. Donc, en fait, la démocratie, et ça, c'est aussi, par exemple, quelque chose que la philosophe française Nicole Leroux a mis en exergue. Le kratos, ça veut dire avoir le dessus. Donc, en fait, ça veut dire que le demos kratos, il y a toujours une partie du peuple qui a le dessus sur l'autre. Donc, si le peuple est divisé, mais c'est toujours une partie du peuple qui est au pouvoir. Donc, la démocratie, c'est toujours un système de pouvoir. Hein. Bon, donc, ça, c'est important. Et ça veut dire aussi que, contrairement à ce que toutes les théories de la démocratie délibérative disent, l'objectif de la démocratie, ça ne peut pas être d'établir un consensus rationnel. Parce que si le peuple est divisé, ben, il sera toujours divisé. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va mettre en place les institutions qui permettent que cette division s'exprime sans mettre en question l'existence même de la communauté politique, c'est-à-dire sans conduire à la guerre civile. C'est ça l'objectif de la démocratie. Et par exemple, je crois que le sociologue historien français Marcel Mauss le disait très bien, l'objectif de la démocratie, c'est de permettre de s'opposer sans se massacrer. Donc, et c'est pourquoi je parle d'un consensus conflictuel. C'est sûr qu'il faut y avoir tout de même, pour la vivre ensemble, un certain consensus sur les valeurs qui vont, si vous voulez, mettre en place, s'exprimer à travers notre institution. Mais il faut aussi permettre au dissensus sur les interprétations de ces valeurs. Et la démocratie agonistique, c'est justement ça de dire, au fond, la question, c'est de mettre en place des institutions qui permettent l'expression du dissensus et qui n'essayent pas de dépasser le dissensus vers un consensus rationnel, parce que ça, ce n'est pas possible. In questo ambito, per quanto riguarda il problema del dissenso, la distinzione tra nemico e avversario sembra particolarmente importante nella sua concezione. Ce ne può parlare per farci anche capire la differenza tra l'agonismo e l'antagonismo? Oui, en fait, c'est ça justement la différence entre antagonisme et agonisme, c'est que bon, dans les deux cas, il y a de l'antagonisme. J'insiste sur ça parce que parfois on parle à l'agonisme, non, il y a de l'antagonisme. Non, antagonisme, en fait, c'est un conflit qui ne peut pas avoir de solution rationnelle. C'est ça un antagonisme. Mais cet antagonisme peut être mise en scène de manière différente. Et donc, c'est toujours, si vous voulez, une opposition nous-eux. Pour moi, la politique, ça a à voir avec ça, une frontière entre nous et eux. Mais le rapport nous-eux peut être conçu sur le rapport ami-ennemi. Hein, dans ce cas-là, le « eux » est vu comme on ne reconnaît pas du tout leur droit à défendre leur point de vue. On va essayer de les éradiquer. Bien entendu, ce n'est pas possible. Une telle relation à l'intérieur d'une démocratie pluraliste, ça mène évidemment à la guerre civile. Mais on peut, c'est pour ça que beaucoup de philosophes, comme par exemple Jürgen Habermas, pensent que pour pouvoir même concevoir la démocratie, il faut nier le fait de l'antagonisme. Il faut affirmer qu'on peut arriver à un consensus et la démocratie, justement, ça consiste à trouver les procédures qui permettent le consensus. Moi, bon, ça, c'est ce que je mets en question. Je dis non, il faut reconnaître qu'il y a de l'antagonisme, mais cet antagonisme peut être mis en scène sous la forme de l'agonisme, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le « nous, eux », c'est une confrontation d'adversaires. La différence entre ennemi et adversaire, c'est que dans le cas de l'adversaire, on reconnaît le droit des opposants à défendre leur position. On ne va pas essayer de les détruire, mais on va lutter avec eux à travers toute une série de procédures qui sont acceptées. Donc, par exemple, je crois que les élections, la démocratie, c'est très important pour mettre
si vous voulez, on pourrait dire, en fait, dans l'agonisme, il y a une sublimation de l'antagonisme. Il ne disparaît pas, il est sublimé. Ou bien il est, on pourrait dire, amadoué, apprivoisé. Hein? Mais il est là toujours. Mais enfin, les institutions permettent que le conflit, le dissensus s'exprime, mais sans conduire à la guerre civile. Gli avversari tra loro condividono qualcosa di più delle regole, delle procedure di funzionamento, vero? Bon, les adversaires, il y a ce que j'appelle entre l'adversaire un espace symbolique commun. Hein? C'est-à-dire que, ben justement, il y a une forme de consensus, parce que si bien je considère que l'objectif de la démocratie, ce n'est pas d'arriver à un consensus complètement inclusif, on ne peut pas non plus imaginer une démocratie où il n'y aurait aucune forme de consensus. Il faut qu'il y ait un consensus, justement, sur les valeurs éthico-politiques qui vont s'exprimer à travers nos institutions. Et dans la démocratie pluraliste, les valeurs éthico-politiques qui doivent être acceptées par tous les citoyens, c'est liberté, égalité pour tous. Mais évidemment, quand on dit ça, on dit quelque chose de fondamental, mais qui permet des interprétations très différentes, divergentes, en conflit de liberté, d'égalité et de tous. Donc c'est ça qu'il y a entre les adversaires. Il y a un consensus, mais un consensus conflictuel qui permet des positions très différentes et des positions différentes qui vont s'opposer. Hein. Ce n'est pas simplement un pluralisme comme ça, oui, c'est différent, on est différent. Non, il y a du conflit, du vrai conflit là. En fait, c'est ce que j'appelle, c'est une lutte pour l'hégémonie. Et comment trattare con il nemico una volta che si è identificato un certo gruppo come un gruppo che non accetta le regole o l'universo simbolico degli avversari e che quindi può essere identificato come nemico, come si fa a trattare? Bon, mais ça, je crois que ça dépend beaucoup des circonstances, des différents pays. Mais je dirais que si on pense au point de vue politique fondamental, simplement, on ne peut pas permettre à ceux... Parce que les ennemis, c'est ceux qui n'acceptent pas hein, le consensus conflictuel, qui mettent en question l'idée qu'il doit y avoir une reconnaissance du droit des certains adversaires avoir une conception différente de la valeur éthico-politique, qui mettent en question fondamentalement les valeurs éthico-politiques. Bon, évidemment, on ne peut pas permettre à des gens qui défendent cette position de s'organiser en parti politique, de participer aux élections et qui puissent y avoir, si vous voulez, la possibilité qu'ils gagnent les élections et qu'ils mettent en question de manière complètement légale l'ordre. Là, non, là, c'est pas possible. Donc ça c'est, je dirais, c'est la règle de base. Les ennemis sont ceux qu'on ne va pas permettre de s'organiser, disons, légalement pour pouvoir participer aux élections. Ils font pas partie de la lutte agonistique. Hein. Mais évidemment, il y a d'autres formes d'expression de l'inimitié qui sont des inimitiés beaucoup plus radicales. Aujourd'hui, par exemple, bon, ce qu'on appelle les terroristes, je n'aime pas beaucoup cette expression-là parce que c'est trop... Mais enfin, je veux dire, ceux qui vont justement essayer de lutter de manière... violente, de mettre en question les institutions. Bon, ben, ces ennemis, évidemment, il faut les mettre hors circulation. Il faut, les mettre. Bon, ça c'est là où évidemment on va avoir plusieurs positions, mais les mettre en prison, les mettre en rééducation, les mettre, mais en tout cas, si vous voulez, les empêcher de nuire, ça c'est certain. Un'ultima domanda. Possiamo considerare la sua concezione come una concezione puramente strategica della politica riguardo il rapporto quindi tra verità e politica, visto che fa riferimento ad una serie di pensatori, a Machiavelli per gli umori, a Schmitt per il paradosso democratico, a Gramsci per l'egemonia, che possono essere interpretati come difendenti una concezione puramente strategica della politica? Je ne sais pas ce que vous entendez exactement par conception stratégique de la politique, mais moi je dirais que c'est certainement une conception réaliste de la politique. Ce n'est pas une conception normative dans le sens de dire, bon, moi en fait je n'aime pas du tout, je suis même assez opposé à ce qu'on appelle la philosophie politique normative. Ou alors les philosophes politiques vous disent
comment le monde devrait être. Bon. Alors après, on leur demande, moi, ça m'est déjà arrivé, ah bon, d'accord, alors on va y arriver comment? Ah, ça, c'est pas notre problème, ça, c'est le problème des politiques, des hommes politiques. Nous, on dessine un modèle idéal de comment le monde devait être. Bon, ça, c'est la philosophie normative, je trouve que ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien. Enfin, ça, c'est mon point de vue à moi. Moi, je pars, comme Machiavel, de la verità effettuale delle cose. Non, il faut partir de comment les choses sont, essayer de comprendre comment elles sont pour pouvoir évidemment les transformer. Mais c'est ça que j'appelle une vision réaliste de la politique. Essayer de comprendre comment ça fonctionne. Hein, comment ça fonctionne, pourquoi il y a des oppositions. Bon, c'est ça, c'est le genre de théorie politique que je mets en place. Aussi, par exemple, il y a une belle expression que je trouve, c'est un texte d'Althusser sur Machiavel, où il dit que Machiavel, sa force est de penser dans la conjoncture. Donc, sopo la conjonctura. C'est-à-dire, il s'inscrit dans, et pour lui, évidemment, c'était la question de comment créer l'unité politique en Italie. Donc, il part d'un problème. Il n'essaye pas de construire des modèles. Il part du problème. Voilà, c'est le problème que nous avons et comment est-ce qu'on va l'affronter. Bon, tous mes livres, en fait, partent aussi, c'est toujours pensé dans la conjoncture, des conjonctures particulières. Et je crois que la théorie politique, ça sert à quelque chose si ça nous permet de penser dans la conjoncture. Grazie.